qu'est-ce qui nous reste à accomplir? S'aimer. C'est tout ce qui nous reste à faire. Let's go. Spielberg ou Scorsese? C'est une question extrêmement difficile parce que les deux noms commencent par S. Je partirai sur Scorsese. Sur Scorsese, parce que c'est des histoires que tu peux revoir, c'est des histoires familiales que tu peux revoir, des histoires de proximité. Spielberg fait rêver, mais il parle un peu plus à mon enfance, tandis que Scorsese parle à toute ma vie. You're talking to me? Then who the hell else are you talking? You're talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Le film que vous avez le plus vu, Le Parrain. Le Parrain. Le Parrain, bientôt peut-être détrôné par Idiocratie. Idiocratie, parce qu'il me fait énormément rire et je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Donc Le Parrain, en cours de détrônage par Idiocratie. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Vous allez poser vos culs et calmer votre voix. Chier. Votre premier émoi au cinéma, c'était mon père m'emmenait, repose en paix, mon père m'emmenait voir les films de Kung Fu au Trianon, à Barbès, et c'était quelquefois 10 francs les deux films. Et c'était extraordinaire. Les bruitages étaient un peu plus forts que les dialogues, c'était génial. Donc ces premiers émois, c'était ça, c'est des films de Kung Fu au Trianon. Scarface, Ghost Dog. La question, c'est Scarface ou Ghost Dog? Et je Ghost Dog. Scarface, c'est un film qui a été très mal compris. Et je pense que beaucoup ne l'ont pas regardé jusqu'à la fin, pour en tirer une certaine leçon ou juste pour comprendre le personnage. Donc Ghost Dog de très loin. Parce que il y a ce Kung Fu, il y a la BO de Reza, Zereza. Il y a cette nonchalance de Forrest. Et puis Forrest Whitaker est un de mes acteurs préférés. Donc c'est facile. Hein. C'est facile. Ghost Dog. Votre film de super-héros préféré? Mon super-héros préféré, c'est Serval. Mais je suis pas tombé fou des versions qu'ils ont fait sur lui. Et puis il y a les super-héros qu'on préfère lire. Moi j'adore les super-héros parce que je lisais toutes les Strange, les DC Comics et compagnie, et Vision quand j'étais petit. Mais mis en image, c'est encore autre chose, comme quand on adapte un roman. Donc je dirais que mon film super-héros préféré, ben, c'est les derniers Avengers, hein, évidemment. Trop bien fait, c'est au-delà c'est presque au-delà de la BD carrément. I put the brains and the brawn together, and now look at me. Best of both worlds. Excuse me, Mr. Holt? Yes. Can we get a photo? 100%, little person. Come on, step on up. Do you mind? Oh yeah. Thanks. Say green. 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 Did you get that? That's good. Devant ou derrière la caméra? Devant la caméra. Définitivement devant la caméra. Parce que ça fait moins de monde à gérer. J'ai eu la chance d'être devant la caméra. Et j'ai des comptes à régler encore. Et derrière, j'y ai été et c'est très fatigant. Donc j'ai énormément de respect pour le métier de réalisateur qu'on ne peut exercer que par passion et vocation. Et ça n'épargne pas la souffrance ou la satisfaction d'avoir accompli une œuvre. Donc devant la caméra, devant, devant, devant.
dis-moi, Aurel. Ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage? Les gens savent pas à quel point on a réussi notre life. My life. De toute façon, le cinéma, c'est extraordinaire. Hein. C'est pour ça qu'on en rêve. Hein. Salle versus ordinateur. Bah, l'ordinateur te permettra d'aller voir, de voir les films que tu ne verras jamais en salle. Donc, je dirais que c'est un assemblage des deux, mais rien ne vaut la salle. Rien ne vaut la salle. À tel point que j'ai une exigence qui fait que si le film n'est pas digne de la salle, je m'en vais avant la fin. C'est une tradition. Donc, salle. Faut rêver. God dream. Dans quel film voudriez-vous vivre? Tra les questions. J'aurais bien voulu vivre dans The Right Thing. J'aurais bien cette époque un peu naïve, très colorée, avec de la musique énergique. I was born in Brooklyn. I'm organizing a boycott of South Spain. The radio Raheem. I can't even hear myself think. We want the black people on that motherfucking wall of fame now! Le casting du biopic de ma vie. Oh là, c'est compliqué. C'est compliqué. Casting du biopic de ma vie, non, c'est compliqué. Il faudrait quelques temps pour essayer d'y penser. Mais c'est une très jolie question. Très jolie question. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules.